Merci, 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 merci. Honneur à la Guinée. Honneur à la Guinée. Guinée puissance, Amanda à puissance. 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 D'accord, si la Guinée est présente, mettez le drapeau, mettez le drapeau de la Guinée. Si la Guinée est présente, mettez le drapeau. C'est toute l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le vrai point. Mes Amazones et mes guerriers, j'espère que vous allez bien. Je suis la madre Francine Ba, la madre la chaîne de la joie de vivre. Oui, la madre qu'on ne voit pas venir, la madre qui est dans son calme. Oui, il y a des gens qui disent que ils ont la casquette des clashs. Oui, parce qu'ils tiennent le clash. Oui, maintenant le clash dans la vérité, mais pas dans le mensonge. Oui, moi j'adore quand les gens clashent et puis ils disent la vérité, là on clash. Mais quand on veut clasher et puis on ment, quand on veut clasher et puis on crée des inventions, franchement, moi pour moi c'est petit. C'est vraiment petit et puis c'est honteux. Ma chère Laosson Créa 2.0. Taguez-la moi sur mon live. Taguez-la moi sur mon live. Tu dis que quoi? Tu tiens la route dans les clashs. Tu tiens la route dans les clashs. On va se mesurer et puis on va voir la durance de chacun. Toi, c'est pour toi tu connais où? Tu ne connais pas pour l'autre. Mais c'est pour toi tu connais. Pour moi, tu ne connais pas. Moi, je fais un peu, je me calme. Mais pour moi, là, tu ne connais pas d'abord. Quand tu tiens là, viens, on va tenir. Viens, on va se mesurer un peu. Jusqu'on va voir quand on sera fatigué là. Chacun va rentrer dans son, dans sa caserne. Viens. C'est pour toi tu connais. C'est pour moi tu connais pas encore. Tu tiens d'après toi. Mais quand on tient le clash, quand on tient le clash, d'après toi, tu as la tête qui a de la matière. Mais je vais te dire que ta tête a tellement de mensonges. Ta tête, ça veut dire que je te croyais très intelligente. Mais je ne savais pas que tu étais une menteuse. Oui, je le savais, je doutais un peu. Mais te lever et mentir et être convaincu de ton mensonge. Parce que tu es convaincu de ce que tu es en train de dire. Tellement que toi-même, tu t'es... En fait, je sais pas, c'est ça qu'on appelle la mythomanie. Tu sais ce qu'on appelle mythomanie? Ça dit, quelqu'un qui mitonne, il croit même à ce qu'il est en train de dire. Ça dit qu'il est persuadé que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Tellement que tu es persuadé que moi, Francine Ba, moi, une femme mariée depuis 21 ans, qui sait ce qu'on appelle la valeur et la confidentialité du mariage. Moi, quelqu'un que j'ai connu sur la toile en moins de 6 mois, c'est-à-dire en moins de combien de temps, moi je vais m'asseoir avec toi pour te confier ma vie intime, pour te confier mon mariage, pour quelqu'un que je ne connais pas, pour quelqu'un que je viens à peine de voir. Oh, pourtant je sensibilise sur la toile à chaque fois. Que quand vous êtes marié, on fait pas ci. Quand vous êtes marié, on fait pas ça. On fait pas ça. C'est moi, gaillardement, je vais me lever, te regarder droit dans les yeux, te regarder et puis te confier ma vie privée jusqu'à te dire que, hé, hey, ma chérie, je suis à lui là. Franchement, tu as réfléchi, mais c'est petit. Tu as réfléchi, mais c'est petit. Il fallait bien réfléchir. Il fallait trouver les failles parce que tu n'avais rien à dire sur moi. Tu n'avais rien à dire sur moi. J'étais avec toi, mais je savais ce que je disais. J'étais avec toi, mais tu ne savais rien de moi. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas mijoter, réfléchir. Et ça dit que ta soi, ça dit être persuadé même que tu es bourgeoise, pourtant tu n'es pas bourgeoise. Parce que quand je t'ai vu la première fois, je dis donc c'est la bourgeoisie qui est là. Je t'ai vu la première fois, tu ne ressembles à rien. Ça dit que tes habits même que tu as portés là ne valent même pas 50 euros. Tu es bourgeoise dans ta tête. Tu es bourgeoise déjà dans tes rêves parce que tu n'as rien au cul. Tu es une mytho, tu es une menteuse. J'ai voulu te couvrir, j'ai voulu te cacher, j'ai voulu cacher ta mythomanie, j'ai voulu cacher ta honte. Je voulais pas faire sortir que tu es une mytho devant la toile. J'ai voulu cacher parce que je dis que quand tu avais quelqu'un, il faut cacher. Quand tu avais une personne, faut t'asseoir sur son caca. J'ai voulu m'asseoir sur ton caca. J'ai voulu m'asseoir sur toutes tes bêtises que tu fais. J'ai voulu m'asseoir sur toutes tes conneries que tu sors. Mais j'ai eu tort.
J'ai eu tort, j'aurais dû voir ça venir. Parce que je me suis dit que quoi, c'est peut-être aux autres qu'elle fait. Elle va pas me la faire. Parce que si elle me fait ça, non, c'est pas possible. Elle m'aime trop. Elle, ça dit, elle clame haut et fort sur la toile. J'adore, j'aime Francine Ba. Francine Ba, même ça, elle. Francine Ba, sur la toile, tu as passé ton temps à me valoriser, à m'aimer. Ça dit, ça se voyait. Ça se voyait sur la toile que tu m'enviais. Ça se voyait sur la toile que tu avais. Ça dit que tu étais excitée. Ma chérie, tu n'es pas bourgeoise. Tu n'es pas bourgeoise. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse chronique. Tu es une mytho chronique. Ça dit ta mythomanie a dépassé les bornes et les limites. Tu es mytho. Tu dis que le clash, c'est la résistance. Je t'appelle sur le terrain du clash. Je t'appelle sur le terrain du clash. Parce que je suis la mieux placée. C'est moi qui t'ai côtoyé. Donc, je te descends. Je t'appelle sur le terrain du clash. Mais sans mensonge. Hein? Parce que tout ce que je vais montrer aujourd'hui, il n'y aura pas de mensonge. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, il n'y aura pas de mensonge. C'est ce qui est sur la toile. C'est ce que tu dis que je vais utiliser contre toi. Je ne vais pas inventer des histoires. Je ne vais pas mentir des histoires. Parce que quand tu veux venir clasher une personne, arrête de mentir. Arrête d'inventer les histoires. On a inventé les histoires ici. Tu as failli péter un câble. Tu as failli te suicider. Tu as failli te pendre. Parce que tu t'es dit que c'est faux. Donc toi aussi, tu peux utiliser ce même procédé-là. Tu peux utiliser ce même procédé. Mais je te croyais intelligente. Je pensais que ta tête avait de la matière. Je pensais que dans ta grosse tête-là, qui est balèze, elle est comme devant remorque-là. Ta tête, elle est devant remorque-là. Je pensais que tu étais plus intelligente que les autres. Mais je me suis trompée. Je me suis trompée. Ta Gaïa tête en direct devant remorque là. Je me suis trompée. Je pensais que dans ta tête, il y avait beaucoup d'intelligence. Mais je pense que dans ta tête là, c'est rempli de l'eau. C'est rempli de l'eau. Ça veut dire que l'eau qui est dans ta tête là, hein, ça pèse sur toi. Je t'ai vu à Paris. Je t'ai vu à Paris, ma chérie, tu ne ressembles à rien. Quand je t'ai vu, j'ai tiqué. Quand je t'ai vu, j'ai pris du recul. Mais comme tu étais ma personne, tu étais ma personne, je ne voulais pas ton nid. Mais je te dis la bourgeoisie de ça. La bourgeoisie de ça, c'est ça être bourgeoise. Moi-même qui ne prône pas la bourgeoisie. Moi-même qui est dans mon coin. Moi-même qui est... j'ai le minimum. Je suis plus propre que toi. Je suis plus classe que toi. Je suis plus arrêté que toi. Moi qui ne prône pas là, ça se voit. Je ne prône pas et puis ça se voit. Toi, tu prônes et puis ça ne se voit pas. Si tu mens, si c'est faux, sors, prends quelqu'un de l'œil. Tu ne ressembles à rien. Ça veut dire que quand on te voit, c'est les vidéos même qui te rend un peu grosse. C'est les vidéos même qui te rend un peu grosse. Tu es mince. On dirait cré-cré de 5 francs. Tes pieds, on dirait baguette. Peque, peque, peque. Voilà tête là aussi qui est posée sur toi. Voilà ton corps aussi. Tu as arrêté comme ça. Comme si on allait te casser en deux. Je t'ai regardé comme ça. Je dis, dama, on peut être bourgeoise comme ça. On peut avoir de la bourgeoisie et puis on ne ressemble à rien. Et puis on ne ressemble à même pas. Ça dit qu'on ne ressemble à personne. On ne ressemble à personne. Tu ne ressembles à rien. Dis merci. Dis merci au téléphone. Dis merci au moins. Oh, tous les effets spéciaux qui sont dans le téléphone qui te fait un peu un genre. De un, tu ne ressens pas la bourgeoisie. Et de deux, tu es vieille. Tu es dans la cinquantaine. Tes rides sont sur ton visage. Tu es vieille. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir ta vieillerie, ta vieillesse auprès de moi. Un visage froissé de plus de 55 ans. Tu viens te jouer là que non, Francis, je te dépasse d'un an. Toi, quand tu regardes mon visage de 46, toi, tu peux avoir 47 ans. Toi, tu peux avoir 47 ans. Ma chérie, tu as un visage de 55 ans. Tu es très vieille. Avec plein de rides prononcées sur ton visage. Prononcées. Gaïa, Gaïa, rides comme ça. Gaïa. Gaïa, Gaïa, rides. Tu es ma grand-sœur jusqu'à l'ossort. Tu es ma grand-sœur jusqu'à ça a fini. Tu es ma grand-sœur jusqu'à ça a fini. Ma chérie, hey, ta bourgeoisie que tu fais dans ta tête là. Ta fausse bourgeoisie que tu fais dans ta tête.
Tes habits que tu payes à plusieurs fois dans les magasins et que tu voulais même montrer le magasin où on paye plusieurs fois là. Ça dit que tu payes tes vêtements 10 fois, tu payes là. Je dis non, 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 moi je me contente de ce que j'ai. Je n'ai pas besoin d'aller payer vêtements à crédit. Je n'ai pas besoin de ça. Tu as voulu me montrer le magasin où tu payes plusieurs fois pour t'habiller, pour venir nous emmerder ici. Je t'ai dit que non. Oh, pardon, si je me lève, je vais à Camailleux, j'ai payé mon petit haut, si j'ai trop payé plus cher, je vais à Carole. Si j'ai trop payé, je vais à Carole. Au moins, le pantalon fait 5 quelques euros. La robe fait 300 quelques euros. Si j'ai trop mis dans la robe, là, ça a dépassé ses 500 euros. Parce que j'ai ma tête sur les épaules. J'ai ma tête sur les épaules. Oui, ma chérie, je n'invente pas une vie dans ma tête. Je ne me fais pas de film. Je ne veux pas ressembler à Pierre ou à Paul. Je veux me ressembler à moi, Francine. Je veux me ressembler à moi. Quand tu m'as vu, Fafa, quand tu m'as vu, tu as dit, ouais, ça là, c'est Mousseau. Ça là, c'est femme. Ce n'est même pas réseaux sociaux. C'est Mousseau même qui est là. Tu m'as vu, tu étais impressionné, tu étais dépassé, tu étais même épanoui, ébloui, tu étais même, je sais pas, mais quand moi je t'ai vu, je dis à Adama, tu n'as pas vu dans le restaurant? Regarde mon Jean dans le restaurant. C'est-à-dire quand tu parlais, mais je dis, hey, ça c'est bourgeoise là aussi qui est là. Donc celle-là, en train de nous traumatiser sur Facebook là. Déjà, vaut mieux voir la personne, fa même pour savoir. Vaut mieux voir la personne fa parce que j'étais vu et puis j'étais déposé. J'étais vu et puis j'ai su que on peut mentir comme ça vis-à-vis de sa vie même réelle qui est sa vie même qui n'est pas réelle. On ment de sa vie. Regarde tes vidéos, regarde mon comportement. J'étais dépassé de ton mensonge, j'étais découragé de ton mensonge. C'est pour ça que tu me voyais, j'étais assis droit et puis j'ai fait genre. Moi-même, je suis venu m'asseoir là, c'est pas mieux, j'ai fait genre pour moi. C'est mieux, j'ai fait genre. C'est mieux, j'ai fait genre. Parce que c'est moi-même, mon ware, mon papatoya, j'ai pris mes deux pieds pour aller jusqu'à Paris là-bas, pour aller te voir. C'est genre qui est mieux pour moi. C'est genre qui est mieux pour moi. J'ai fait comment? Est-ce que je pourrais courir? Je suis resté. Je suis resté, ma chérie. Tout ce que je peux te dire, que j'ai vu d'un peu bon sur toi là. Tout ce que je peux te dire sincèrement au fond de mon cœur, que j'ai eu d'un peu bon sur ton corps, c'est ta bouche qui sent un peu bon. Ta bouche sent un peu bon. Et puis tu sens un peu bon. Oui. Ça, je ne peux pas mentir, mais je ne suis pas une menteuse. Malgré que tes dents sont jaunes, tes dents avaient plein de tâtes, mais il y a l'odeur positive dedans. C'est-à-dire que tu sens quand même bon dans la bouche. Je ne sais pas qu'est-ce que tu mets dedans, mais ça sent un peu bon. Mais à pas sentir bon, là, l'état physique des dents, là, c'est pas beau, c'est pas chaud. Si toi-même tu es bourgeoise, va refaire les dents, enlève un peu les dents qui sont là, là, superposées, et puis qu'il y a une couleur jaunâtre. Qu'il y a une couleur jaunâtre. Là, je suis en train de te parler de toi-même. Je ne suis pas en train d'inventer. Je ne suis pas en train d'inventer. Je parle de toi-même. Tu vois, affaire là, non? Donc, viens, on va faire le clash. Il ne faut pas inventer quelque chose. Quand tu me regardes là, moi, il vient te dire que moi, Francine, qui ne parle pas de mon intimité avec mes meilleurs amis depuis 1900, choué, depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, depuis plus de 15 ans, je ne parle pas de ma vie privée avec mes amis là. C'est toi hier ici que je t'ai croisé sur les réseaux sociaux et que je sais que tu es malade mental et que tu prends des cachets chaque nuit pour dormir parce que tu n'arrives pas à dormir. Tu es folle dans ta tête, tu es psych, non mais tu es déréglé mentalement. Tu es déréglé mentalement. Ça veut dire qu'il y a un boulot qui a pété dans ta tête. Il y a un boulot qui a sauté. Il y a un boulot qui a sauté, ma chérie. Donc, faut dire à tes gens que tu payes en Côte d'Ivoire, là. Faut dire à tes petits que tu payes en Côte d'Ivoire pour venir se déverser sur mes postes, là. Oui, parce que toi, tu enlèves l'argent. Tu donnes aux jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, là. Un pour partager tes vidéos. Et pour commenter sur les pages. Donc, dis à tes gens qui sont sur mes pages là. Oui, les gens que tu as payés pour venir mettre les faux commentaires sur mes pages là. Je vois tout. Ma chérie, je fais rien, ça, c'est toi et moi. De toute façon, tu as pris de l'eau.
Et puis tu as versé chez toi à la maison pour dire non que si on t'a fait ceci là, l'eau tu as versé là. Moi c'est à 6h du matin ou à 5h du matin, je vais prendre l'eau, je vais aller dehors. Ça dit dans en plein sable. Ça dit où il y a le sable. Et puis je vais verser. Et puis je vais t'appeler. Je vais appeler ton nom. Je vais verser sur le sable. Moi c'est pas dans la maison, ça serait dehors. Parce que on retourne tout à la terre. Nous tous là, on retourne à la terre. Donc je vais verser dehors. Et puis tu vas comprendre que ta mythomanie là a une fin. Ta mythomanie va s'arrêter. Ton mensonge va s'arrêter. Moi j'aime m'asseoir là. Et puis venir te dire que non. Tu as vu Jessica là-bas là. C'est lui, mais tu es malade. Tu te fais un film. Tu te fais un film dans la tête. Tu es malade. Hé hey, ma chérie. Ta maladie là, faut t'arrêter là, hein. Tu as menti sur Lova Lova. D'après toi-même, tu lui as donné 3000 euros. Oui, je reconnais. Je reconnais. Tu lui as donné que 3000 euros. Et moi, j'ai joué en rien, rien, rien. Mais tu n'as rien donné à Lova Lova. C'est là que je devais comprendre que tu mens pour mettre sur les gens. C'est là que je devais comprendre que tu es une mythomane. C'est là que je devais capter que tu es mauvaise. Mais je n'ai pas capté. J'ai rigolé et puis je suis passé. Mais je ne savais pas que toi, quand tu fais des vidéos, tu réfléchis, mais quel mensonge je vais mettre sur telle personne, et puis ça va prendre. Mais comment c'est là ta tête qui a de la matière? Voilà où toi la tête qui a de la matière. Tu n'es pas intelligente, tu es intelligente dans mauvais. Tu es intelligente dans mauvais, tu es intelligente dans la sorcellerie. Bref, mes Amazon, on va continuer. Je vais vous expliquer clairement les choses. J'ai fait une introduction, on va commencer. Vous savez, sur la toile, j'ai beaucoup, on va dire entre guillemets, des protégés. Quand je dis protégés, des personnes qui m'appellent la madre, ma maman, parce que en interne, j'essaie de leur donner quelques conseils. Oui, en interne, j'essaie de leur donner voilà quelques conseils. Il s'avérait que Jessie Dieboka, qui est quelqu'un qui est venu sur la toile et qui a commencé à faire son blog. Et en partageant les vidéos, sa page, moi aussi partagé sa page. Donc Jessie Dieboka a dit, ah, la madre m'a soutenu en partageant ma page et tout ça. Elle, c'est ma mère. Donc il m'a dit, ma mère, j'ai dit, mon fils. Ok, bref. Il s'avérait que Jessie Dieboka est en clash avec Lawson Crea dans le temps qui était mon ami et soeur dans le temps. Donc il y avait des clashs entre eux. Les clashs ont commencé comment? Et puis toi, tu as une mémoire de moineau, toi. Tu as une mémoire vraiment bête, toi. Tu dis que c'est moi qui ai commencé. Non, c'est pas moi qui ai commencé, ma chérie. Je vais te rafraîchir la mémoire. Avant de continuer, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu dis non que c'est moi qui ai commencé les clashs. C'est moi qui ai commencé à te titiller. Mais non, ma chérie. Aujourd'hui là, je vais te montrer que toi-même tu mens et puis tu es persuadé de ton mensonge. On va aller sur ta page. Là, tu as effacé les vidéos. Tu as effacé certaines vidéos. Tu as effacé certaines vidéos. Fallait pas effacer. Il fallait laisser tes vidéos là sur ta page. Pourquoi tu effaces? Tu n'as pas dit que tu es maman la clash, tu n'as pas dit que tu es maman la dangereuse, tu n'as pas dit que c'est toi qui maîtrise Facebook, tu n'as pas dit que ta tête a de la matière, tu effaces les vidéos sur ta page, pourquoi? Mais ne t'inquiète pas, je les ai tous téléchargés. Je les ai tous téléchargés. Partagez la vidéo là. J'ai tout téléchargé la vidéo. Merci. On va aller sur ta page. J'ai posté, j'ai mis une publication. Je vais d'abord sur ma page. Soyez calme, hein. On fait doucement parce que vers la fin là, quand il y a balancé quelque chose là, tout le monde va s'asseoir. C'est à moi que tu veux jouer, non? D'accord. Je t'ai donné 48 heures. Et t'as donné 48 heures, c'est moi qui ai joué. On fait ça, on décolle ensemble. Excusez-moi, je cherche.
Excusez-moi, je cherche le poste. Je ne sais pas si vous avez vu mon poste où je disais, le poste où je disais, si chacun... Attends. Où est le poste? Ça, aussi qu'on cherche, on ne trouve pas. Vous avez vu sur ma page, j'ai mis un poste où je dis, si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si vous vous rappelez ça, j'ai fait un poste comme ça. Attendez, je vais mettre, je vais aller sur WhatsApp. Je vais aller sur WhatsApp. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Voilà, voilà le poste que j'ai mis. Oh putain. Voilà le poste que j'ai mis. La première, si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. J'ai mis ce... Dès que j'ai mis ce poste-là, sans nommer quelqu'un, sans dire le nom de quelqu'un, Madame Lawson Créa 2.1, 2.0, 2.1, est sortie faire un live. Toi, tu penses que tu es intelligent, tu es bête même. Tu es bête même. Quand j'ai mis ce poste à sans dire le nom de quelqu'un, tu es sorti faire un premier live. Et le premier live, tu as supprimé, non? Voilà le premier live. Non, c'est sur ta page. Tu n'as pas supprimé, c'est sur ta page. Je ne t'ai pas indexé, j'ai fait un poste, tu es sorti faire une vidéo. Oui. Voici ta première vidéo. Voici ta première vidéo. Où tu as mis Ugent, Ugent, appelez-moi Francine. Voilà ta première vidéo. Après le poste, voilà ta première vidéo. Tu dis que c'est moi qui t'ai provoqué, mais je vais te montrer que tu es bête et tu n'es pas intelligente. Madame, madame l'intellectuelle, madame l'intelligente de Facebook, je dis, tu es malade, tu es bête. Oui. Le poste que j'ai mis là, tu t'es senti visé par rapport à quoi? Tu dis non que, oui, depuis là tu fais des lives, depuis là tu fais des lives, peut-être les gens n'ont pas vu que tu as commencé d'abord. Les gens n'ont pas vu que tu as commencé d'abord. Moi, je vais te montrer. Après mon poste, si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Voilà, dès que tu as vu mon poste, voilà la vidéo. Madame la mytho qui se persuade. Voilà la vidéo. Appelez-moi Francine. C'est Jean. Voilà, voilà ta première vidéo. Voilà ta première vidéo. C'est toi qui as commencé la vidéo. Madame, l'intellectuel. Ta vidéo date du 1er octobre. La vidéo, ta vidéo date du 1er octobre. Tu as commencé la première vidéo, mamie. Ok. Et quand tu as commencé la première vidéo, je t'ai fait un autre post. Et je t'ai dit, là où sommes créés. Je ne veux pas de clash avec toi. Quand je t'ai dit Lawson Créa, je ne veux pas de clash avec toi. C'est après ta vidéo que je t'ai dit Lawson Créa, je ne veux pas de clash avec toi. Quand je t'ai dit Lawson Créa, je ne veux pas de clash avec toi, tu as fait une deuxième vidéo. Voilà ta deuxième vidéo. Voilà ta deuxième vidéo. Maman qui a de la matière, qui n'est pas intelligente, qui oublie. Tu es devenu Alzheimer. Tu es devenu Alzheimer. Tu as oublié. Ou bien c'est parce que les gens n'ont pas vu. Tu es devenu Alzheimer. Tu es devenu Alzheimer. Il a te dit que ton Alzheimer là, moi je vais guérir ça. Ton Alzheimer là, je vais guérir ça. Voilà. Tu as fait une deuxième vidéo. Ou dans cette deuxième vidéo, tu as dit, on n'appelle personne. On n'appelle personne. Celui qui veut, il vient dans le comité. On s'en fout. Le comité qui est là, là. Oui, on ne va pas chercher les gens. Rentrer ici, c'est sorti ici. Et le comité va décider. Le comité va décider. Maintenant, si quelqu'un veut faire des choses, on passe par ceci, on passe par là. Quand tu as fini de faire cette vidéo-là, c'est là que je suis sorti et j'ai tapé sur la table pour dire, ma chérie, on ne va pas, le comité ne doit pas trancher quoi que ce soit. Mamie, voilà tes vidéos. Voilà tes vidéos. Tu as tout effacé. Et tu fais croire aux gens que c'est Francine qui a commencé. C'est Francine qui a commencé. Tellement tu mens. Tellement tu es une menteuse. Tu es persuadé de ton mensonge. Comment quelqu'un peut mentir et puis croire à ce qu'il entend de dire à Dama?
Adama. Ça dit, je mens. Et puis, ce que je dis là, je sais que c'est ça. On appelle ça de la mythomanie. On appelle ça de la mythomanie, ma chérie. Voilà. C'était juste pour te dire que comment ça a commencé. Tu as parlé, genre, les gens n'ont pas vu les premières vidéos. C'est Francine qui a fait beaucoup de vidéos. Et puis les gens aussi, bête, amnésique. Tu es amnésique. Mais je comprends que tu sois amnésique parce que tes médicaments que tu prends pour ta folie, là, les cachets que tu bois chaque fois pour ta folie, parce que tu es folle. Parce que tu es folle, Lawson Créa. Tu es une malade, Lawson Créa. Tu es folle. Tu pètes les plombs. Ce que les gens ont vu dans la vidéo, là, où tu as pété les plombs, c'est petit. C'est petit. Comment quelqu'un peut appeler son ami au téléphone et puis il crie comme si... Il crie au téléphone comme si tu es malade, ma chérie. Tu es malade. Tu es malade. C'est parce que tu prends des médicaments dépressifs, des médicaments de dépression, que médicaments de dépression, là, même, ça ne te prend même pas. Médicaments dépressifs, là, ne te prend même pas que maintenant, on t'a donné CBD, mais CBD qu'on t'a donné, là, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas dormir. CBD, là, donne l'insomnie aux gens. CBD donne l'insomnie aux gens, c'est-à-dire que tu veilles à ne point finir. Et tout ce que tu fais comme vidéo, ton mari n'est même pas au courant de ça. Tes vidéos bêtes, là, ton mari n'est pas au courant. C'est quand il est au travail que tu fais des conneries comme ça. Sinon, devant lui, tu ne peux même pas faire ces bêtises de vidéos que tu fais là. Tu ne peux même pas t'amuser de faire ces vidéos que tu fais. C'est derrière son dos. Et quand il rentre à la maison, tu es clean, tu es zen, comme si de rien n'était. Parce que tu sais très bien que ce monsieur-là, tu fais ce genre de vidéos-là, il va te vider, il va te mettre dehors. Il va te mettre dehors. Et à chaque fois, attends, j'ai fait vidéo avant que Fred va venir. Attends, j'ai fait avant que Fred vienne me trouver. Parce que tu lui caches ton vrai visage, ton mari ne sait pas. Ton vrai visage, ton mari ne sait pas. Et tu as fini de mitonner. Tu as fini de mentir à ce monsieur-là. Et tu as vu, tu mens à chaque fois. Fais une vidéo de la sorte que ton mari soit présent. Moi, quand je fais mes lives là, mon mari, il est à l'étage. Pardon. Il est à l'étage. Il suit mes vidéos. Il est sur mes lives. Toi, ton mari n'est pas sur tes vidéos, n'est pas sur tes lives. Il ne regarde pas. Quand il est là, c'est littérature, il est là. À part le reste, là, il ne s'intéresse pas à Facebook. Toutes tes bêtises que tu fais là, le monsieur n'est pas au courant. Il n'est pas au courant même. Le jour qu'il a su que tu pètes les plombs, le jour qu'il a su que tu es zinzin, c'est parce que ton voisin l'a envoyé un courrier à la maison. Quand le voisin a envoyé un courrier, c'est là que ton mari a su que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis maintenant, tu as menti. Tu as mitonné maintenant pour lui dire que non, c'est parce que je criais. Il fallait lui dire, il fallait montrer la vidéo là à ton mari. La vidéo où tu pètes plomb, il fallait le montrer. Parce que tu es malade. Parce que tu prends les médicaments. Tu prends les médicaments. Mais Amazon est guéri. La vidéo va être très longue. La vidéo va être très très longue. Tu ne peux pas me la faire. Tu ne peux pas me la faire. Tu ne peux pas me la faire à l'envers. Moi, tu ne peux pas me la faire à l'envers. Il fallait même dire. Il fallait même mentir un peu. Si à Poutou. Fallait dire un peu que Francine même soit à Poutou. Fallait mentir un peu. Parce qu'à Poutou même au moins, je l'ai croisé pour aller prendre mon invitation. Et puis c'était dans la nuit. Fallait dire même à Poutou. Parce que lui au moins, je l'ai vu, je l'ai croisé. Je suis allé prendre mon invitation. Peut-être que quand il m'a donné l'invitation là, après j'ai bifurqué quelque part là-bas. Et puis ça s'est passé. Mais quelqu'un que je n'ai jamais vu, quelqu'un que je n'ai jamais croisé, comment toi-même ton mensonge va prendre? Ton mensonge va prendre comment? Ma chérie, tu ne sais pas mentir, hein? Faut apprendre en quoi à mentir. Apprends en quoi à mentir un peu. Parce que tu ne sais pas le faire.
Voilà. Il fallait même dire là. Au moins, personne ne va douter. Il fallait même dire ça. Personne ne va douter. Au moins, j'ai vu. Je ne peux même pas me défendre. Je ne peux même pas me défendre. Il fallait dire ça. Il fallait même dire là. Ça allait prendre un peu. Partagez la vidéo là. Donc, comment je vais dire? Dites-moi si j'arrive à 50 minutes, vous me dites je coupe et je relance. Ben, c'est trop long. Il y a gâté, puis on va s'asseoir. C'est long. 50 minutes là, vous me dites et puis je coupe. 50 minutes, vous me dites je coupe. Je vais voir, j'ai fait combien de minutes? J'ai fait ça deux fois. Deuxième là. Il fallait même dire que non. Ah, je sors à Poutou, mais on dit que tu as vu à Poutou. Quelqu'un que je n'ai pas vu, quelqu'un que je n'ai jamais croisé, comment j'ai pu enlever ma lingerie auprès de quelqu'un invisible, auprès de quelqu'un que je n'ai jamais vu. Fallait me dire même un peu aussi, dans ton mensonge, fallait dire que, ah, Francine a dit que elle s'est mise nue, elle s'est filmée, elle a envoyé à Jessie. Fallait mentir comme ça. Non, tu ne dis pas que je me suis filmé, même j'ai envoyé. Tu dis non que j'ai vu Gessi, on allait. Mais franchement, ma chérie, tu es intelligente comme ou bien tu es bête. Mais Amazon est mes guerriers. 39 minutes, merci. Dès que c'est 50, vous me dites je coupe et puis je relance. Je suis à vous. Je travaille demain. Je travaille au moins 3 jours. Aujourd'hui, je suis assis. Là, son créa était en clash avec chose comme on appelle. Jessie Djeboka. Quand même, Jessie même a fait sa page. Je compte sur vous. Hein. Si c'est 50 minutes, vous me dites, je coupe, je reprends. Hein. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Après, je relance. Et quand Jessie a commencé à mettre les photos de Lawson Créa sur sa page, Lawson Créa même partait commenter la photo que Jessie mettait sur sa page. Je l'ai interpellé, je lui ai dit, ma chérie, toi-même, tu t'en vas commenter encore. Après, elle dit, et là, son créateur a dit, non, c'est pour l'encourager, c'est pour l'aider. Comme c'est sa nouvelle page-là, je vais aller commenter. Je lui ai dit, tu t'en vas commenter. Tu t'en vas commenter. Demain, quand il va continuer à mettre tes photos, c'est toi qui vas venir péter un plomb. Non, Francine, c'est pour le soutenir. C'est pour soutenir Jessie. Je lui ai dit, demain, faut pas venir crier sur moi ici. Demain, faut pas venir bavarder sur moi ici, hein. Tu t'en vas commenter encore. Ça dit, mets ta photo et toi-même, tu t'en vas commenter. Toi-même, tu t'en vas faire ta publicité de CBD là-bas. Ma chérie, ce que tu cherches là, faut, de toute façon, tu as... Elle dit, elle continue. Tu continues. Je suis assis par terre, je te regarde. On te parle pas. Et Jessie continue à mettre ses photos. Et voilà, elle aussi, elle est dans le clash. Elle est dans le... Donc moi, je les regarde puisque je ne gère pas. Je ne gère pas les blocs de chacun. Chacun gère son bloc. Si toi-même, au départ, tu as aimé et puis tu allais commenter là-bas, ce que c'est passé, voilà, ça te plaît. Merci, Edwige Amand. Super, je te claque un bisou. Ce que ça te plaît, puisque toi-même, tu vas commenter. Il met la photo, tu vas commenter. Ce que ça te plaît. Maintenant, ils ont commencé les clash, ils ont commencé les... Non, moi, je les regardais, puisque à la base, ça la plaisait. À la bla... Bon, excusez-moi. À la base, ça la plaisait. Donc, moi, je suis assise et puis je regardais. C'est là, un matin, elle a vu que l'affaire était plus glouque que elle. L'affaire même la dépassait. Elle me parlait à chaque fois. Elle me parlait à chaque fois. Eh, la madre, vraiment, il faut parler ma soeur, parle à Jessie. J'ai dit, mais toi-même, tu t'as en commenté au départ là à Jessie comment? Toi-même, tu t'as en commenté au départ là à Jessie comment? Je vais, dès que ça arrive, 45, voilà, 50 minutes. Donc, j'ai dit, bon, non, je vais essayer de parler. Et ça continue. Le dernier kata. Je coupe et puis je relance. Je coupe et puis je relance. Je change seulement ma chemise. Je coupe et puis je relance. Je change ma chemise. Ma chérie, j'espère que tu as CBD à côté de toi. Hein. J'espère très bien que CBD là, tu as ça. Je coupe
Et puis je relance. C'est quoi? 45 minutes. Ok, à 50, vous me dites. À 50, vous me dites. Donc, quelque chose qui te plaît, on commence à te plaire. Tu dis que tu es dans le game. Maintenant, ça t'a dépassé. Maintenant, c'est les commentaires qui vont te rendre tonton. C'est les commentaires qui vont te rendre bête. Mes Amazon, j'enlève la chems, je reviens en deux temps, trois mouvements. Je reviens tout de suite. Restez, vous êtes assis là, parce qu'au pays de Gâté, c'est Gâté lui-même qui est le roi. Au pays de Gâté là, c'est lui-même qui est le roi. Restez assis, restez signant, j'arrive. À tout de suite.